Yo la famille, tranquille ou quoi? Petite vidéo spéciale, c'est pas du gaming, c'est pas un unboxing. C'est un petit troll les frérots, parce que vous voyez quand je suis en live, j'adore faire des petits trolls le bon coin, je me fais passer pour un beauf ou un gitan qui veut acheter une caravane. Bah là la petite vidéo qui va suivre, c'est un petit troll que j'avais fait, tout le monde ne l'a pas vu les frérots. Les prochains, je les ferai avec un petit décor et tout, bien positionné, j'arrêterai de les faire en live. Là, petit troll, j'ai appelé un petit papy et une mamie, ils vendaient une caravane, tout s'est bien passé jusqu'au moment où que je crois que... Ils ont pas voulu que je prenne un petit café chez eux et que je vienne chercher la caravane à 6h du mat. Je vous laisse la vidéo les frérots. Tchuss tchuss les frères. Il fait le président. Allô? 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 Oui? Oui bonjour, je vous appelle pour la caravane Adria qui est sur le bon coin. Oui d'accord, oui. Oui. Ouais. Oui. Ça va dans l'état propre? Oh bah oui, elle est impeccable, hein. Pourquoi? Ça vous intéresse? Ouais. Ouais, caravane m'intéresse pour 4 jours, là. Comment? Ma caravane, votre caravane. Oui. Elle m'intéresse pour mon 4 jours, là. Elle vous intéresse pour? Elle m'intéresse pour mon petit jour, là. Ah, j'ai rien compris. La caravane. Oui. Elle m'intéresse pour le ptio, pour mon petit. Ah, pour votre ptio, d'accord, ok. Pour mon petit, quoi. Oui. Oui. J'ai vu une caravane, hein, 6 000 euros. Oui, c'est ça, oui. Tu y es. L'année 99. Oui. La roule bien. La roule bien, la caravane. Caravane. Comment? La caravane, elle roule bien, pas de pépin, rien. Oh non, elle est impeccable, elle a même des pneus neufs. Alors bon, on a mis des pneus neufs pour en faire 500 km. Ok, d'accord. Au niveau des pneus, c'est nickel. Et au niveau des brouillards arrière. Les feux brouillards? Oui, brouillards arrière. Comment on fait? Les brouillards arrière, ils marchent ou ils marchent pas? Le brouillard arrière? Les feux anti-brouillard. Ah bah oui, tous les feux marchent, pourquoi? Bah elle est impeccable la caravane. Okay. Nous on l'a portée au marchand de caravane, il nous a dit essayez de la vendre par vous-même, elle est très belle votre caravane. Même à l'intérieur, hein. Intérieur. Intérieur nickel. Fini, rideau, tout ça, intérieur nickel, hein. Intérieur est nickel, gazinière tout. Comment? Intérieur et gazinière. L'intérieur, il y a un grand, il y a un frigo, on laisse même un frigo extérieur qu'on met sous l'avancée. Frigérateur. On a une casquette qui est toute neuve qui a servi qu'une fois, une journée. Ok, d'accord. Et j'aimerais savoir, au niveau climatiseur. Un climatiseur? Au niveau climatiseur, climatisation, ça marche? Ah non, on a un chauffage. Il y a un chauffage, il n'y a pas de climatisation. On a fait poser une télé, on a la télé, on a le modulateur pour la télé. T'es intégré? La télé, on la met dedans, ouais. Elle est dedans. T'es intégré dans le prix et pas dans le prix, t'es... Oui, tout. On laisse tout dans le prix. Tout dans le prix? Oui. Ok, d'accord. Et on a fait monter l'antenne il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans, hein. Ça va faire 3 ans. La dernière fois, elle a roulé, c'était quand? Comment? La dernière fois, vous avez roulé avec, c'était quand? Oh, je comprends pas, monsieur. La dernière fois, vous avez roulé avec, vous avez circulé, c'était quand? La dernière fois qu'on a roulé? Ouais. Ouais. Passez-moi monsieur, puis madame. Passez-moi Gadjo, parlez vous. Comment? Passez-moi monsieur s'il vous plaît au pire, je... Peut-être que je connais plus. Mon mari? Oui. Mais bonjour, ça va? Bonjour, oui. Bonjour, Jean-Charles à l'appareil. Donc je cherche une caravane et je voulais savoir, j'ai demandé à votre petite dame si elle est en état de circulation ou c'est la dernière fois que vous avez circulé avec. Mais je sais pas, je comprends pas rien monsieur. Attends, j'ai baissé la télé. Ouais, oui. Je comprends pas bien ce que vous m'avez dit, là. Bon, d'accord, je vais essayer de parler plus correct. Et j'ai demandé à votre petite dame, là. Oui. La dernière fois, vous avez circulé avec votre caravane, c'est con. L'année dernière, au mois de juillet. Au mois de juillet? Vous étiez quelle destination? Pardon? Vous avez été quelle destination? On fait 500 km à peine. 500 km à peine, ça va, pas de pépin, rien. On va en Vendée. Pas de pépin, rien. Pas de pépin. Je vous comprends pas bien, monsieur.
Ah oui, je suis désolé, c'est parce que en même temps, c'est mon langage, le langage du clan. Désolé, mais essayez de parler plus correct. Et vous avez pas eu de pépins sur la route, rien? Non, j'ai rien eu. Crevaison, rien du tout? Non, j'ai pas de crevaison, j'ai jamais eu de crevé. D'accord. Comment c'est, vous vous en séparez? Bah parce que j'ai plus envie. Vous allez plus en ville? J'ai plus envie de faire de camping. Ah, comment on a envie de faire de camping? Camping, c'est la belle vie, monsieur. Oui, mais je sais, mais bon... Les merguez, vous aimez pour les merguez, gazinières, tout? Si, il y a la gazinière, il y a tout. Il y a tout dedans. Ok, d'accord. Bah moi, pour l'instant, ça m'intéresse pour le pion, là, parce qu'il vient de passer son bac, il l'a eu, donc du coup, il va dégager de chez moi, enfin, de ma caravane, là. Donc, du coup, niveau intérieur, on n'a pas parlé encore, parce que moi, je suis très pointilleux. Les draps, ils ont été changés, tout est nickel. Oui, il est nickel, gros. Elle est nickel, hein. D'accord, là, parce que moi, si j'achète un truc et que je vois qu'il y a pépin et je reviens, moi, je sors le fusil, hein. Ouais. Bon. Bon, moi, je veux avoir affaire à que des gens corrects. Dans la vie, je suis un genre correct. J'ai travaillé. Faut savoir, mon petit monsieur, que moi, à 16 ans, j'ai travaillé déjà. Aujourd'hui, j'en ai 42. Et toujours au boulot. Alors moi, je suis correct. J'ai encore les mains pleines de cambouis, là. Parce que j'étais fait la mécanique. Fait la mécanique, fait du ciment. Et t'as l'air, Simone, il voulait que je change la véranda. J'ai changé la véranda. Je suis très pointilleux. Si je tombe sur des gens corrects, ça va le faire. Si je tombe sur des gens pas corrects, carabine. D'accord, monsieur, mon petit monsieur. Oui, merci. D'accord. Donc au niveau intérieur, on m'a dit c'est nickel, je suis sûr que pour l'instant, ça va le faire. Ça va, on va pouvoir faire affaire ensemble, je pense. D'accord. Niveau 6 000 euros, là. 6 000 euros, c'est pas une limousine qu'on vend. Pardon? 6 000 euros, le prix, là. Oui, c'est 6 000. C'est pas... On peut pas faire un petit prix? Je vais rien, après. Ouais. Bah déjà, on l'a baissé, hein. Vous l'avez baissé combien? Alors, de 2000. De 2000? Ouais. De 2000. Bon, au début, elle était à 8000. Au départ, elle était à 8000. Puis là, elle a descendu à 6000. C'est que va me coûter cher, le pion, là. J'aurais dû acheter une niche. Ok, d'accord. Bon, écoutez. Là, j'ai vu, vous m'avez l'air d'être une personne très correcte. Je vous remercie. Je vais en parler à ma petite dame. Et pour l'instant, des preneurs, et je risquerai de vous appeler demain dans la journée. Et disponible demain, venir chercher, moi. Vous pouvez venir la chercher? Oui, moi, venir chercher Karen. Il faut un chèque, hein? Ah oui, bah oui, oui. Non, liquide. Liquide ou chèque? Non, un chèque de banque. Chèque de banque? Pas de problème, monsieur, je suis une personne très correcte. Je veux un chèque de banque. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé depuis l'âge de mes 17 ans, j'en ai 42, mon petit monsieur. Alors, comme je vous ai dit, je suis une personne très correcte, vous aurez votre chèque de banque. Voilà, un chèque de banque. Ok, d'accord. Et possibilité de venir la chercher ce soir, là, à la caravane? Ah non, pas ce soir, attendez, vous avez eu un filet, non? Ouais, je sais pas, possibilité de boire un petit café après, quoi. Non, je veux pas faire d'histoire. Je veux pas faire d'histoire, monsieur. Je veux pas déranger. Je vous rappelle demain. Merci. Et à demain, monsieur. Au revoir. Moi, au revoir. Heureux, content, moi. Merci. Lourd. Si, ils ont pété un câble. T'as vu comme ils ont pété un câble, c'est clair, quand j'ai dit le café, ouais. Oh non. Même pour l'heure et tout.